Et nous sommes repartis. On va essayer de finir cette zone. On va essayer de la finir complètement. Et je pense qu'après on retournera sur la tombe des anciens et la cité interdite. Pour détruire tous les robots et après on fera la fin du jeu. Je pense qu'on fera ça, ce serait plus drôle. Alors j'avais dit qu'on pouvait eux là. Tout ça là. On pouvait les prendre un par un. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc il y en a trois là. Il y a celui-là du haut, le frère et l'autre qui patrouille. Celui-là qui patrouille, on peut plus ou moins facilement l'avoir. Mais il faut bien le timer avec l'autre qui patrouille, c'est ça qui est chiant. Il faut bien le timer avec nos habilités aussi. L'autre. Je vais pas vraiment aller où je veux. Alors le frère, on peut pas se le faire encore. Tellement mal placé. Mais tellement mal placé. Non, c'est bon. Je sais pas si ça a marché, on va voir. Normalement oui, on est bon. Ok. Tout va bien. Maintenant, on repart. Ah, j'espère que ça a pas fait bugger quoi que ce soit, normalement non. Mais voilà, c'est le risque. Parce que là, on était très mal placé. Ah, c'est bon, c'est bon. La patrouille, en fait, du chasseur et du frère sont vraiment très chiantes parce que les deux coïncident à chaque fois. C'est très, très relou. Là, faut pas se louper par contre. On a du 55% de crédit. Si on se met en hauteur, normalement, on n'a pas plus. Ouais, on n'a pas plus. Say my name, Jizzwipe. It's Pharaoh. Too easy. Ok, très bien. Donc, on va utiliser ça. Très bien. Enough. That was awesome.
Get your asses over here. Voilà, ok, bien, bien, bien. Et dans. Alors maintenant on a lui. Alors lui je crois qu'on peut le... le tacler sans que celui en haut nous voit. Je vais voir un peu les habiletés. Ah putain, c'est vrai que je peux pas les regarder. Donc il y a lui, il nous manque celle-là. Ouais, avant ça le disait pas. Putain, maintenant... Ah, ça m'emmerde. Donc il manque les ailes du papillon. Donc ça manque les ailes du papillon. Donc on va faire ça. On va faire comme ça. En théorie, on va pouvoir le tacler. C'est vrai que vu qu'on le tacle, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser des habilités. You don't know who you're messing with. That's from me. Ah, très bien. Alors. Ok. Oui, on n'a pas besoin d'utiliser des habilités, on le tacle. À 100% de trucs parce qu'on a changé les... Hi there. Les habilités. Voilà, l'autre il s'est pas... Voilà, il s'est pas activé. Très bien. Ah, fait chier. J'avais peur que ça le pousse derrière la voiture. Maintenant, là... Voilà, maintenant il faut bouger. Putain, qu'est-ce que... That had to hurt. Très bien. Donc de soin, fois de... Voilà, maintenant on n'a plus le tacle. Donc il faut faire deux critiques. Alors maintenant on a lui en hauteur. Alors on peut se placer là. Pour être à la même hauteur. On a eu 100% crit avec 75. Donc on peut voler pour faire un crit en plus, très bien. Toi, les ailes sont pas prêtes. Donc lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer en invisible. Alors, je vais être honnête, j'ai jamais utilisé l'invisibilité. Donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je sais pas si ça prend une action ou pas, je crois pas. Je pense pas. Voilà, lui aussi là. Ah, très bien. Apparemment si. Une habilité, c'est bien. Mais il est invisible. Voilà, très bien.
Alors maintenant, lui, on peut lui faire un 100% critique comme ça. Now it's getting fun. Très bien. Elle, elle lui manque. Ah putain, on aurait dû le faire avec ça. Ah non, ça va, on arrive à 100%. On a eu de la chance, on a eu de la chance. Je pensais que ça allait être 75, mais en fait... Non. Ah, très bien. Et là... J'espère qu'il va pas se faire voir, normalement non. Est-ce qu'on est en hauteur? Voilà. Hey, over here. Voilà, très bien. Et maintenant, donc ça va être du combat. Ça va être du combat. Donc c'est parti. Ah, très bien, il est bien équipé. Grenade, 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 ok. Normalement on va pouvoir tuer ceux qui sont là, facilement. On n'a pas besoin d'alerter qui que ce soit. Les autres sont trop loin. 6, 9. 6. Ok, ça marche. Attendez, est-ce que j'ai bien toutes les bonnes habilités? On va prendre ça. Là, on a le truc pour attirer. On a marionnettiste. On a le brise-crâne. Est-ce que... Non, c'est bon. Pistolero, très bien. Je sais pas quoi mettre. Un peu emmerdant. Non, c'est bien comme ça. Ah oui, et l'équipement. Critique, charge. Toi, c'est pour les grenades. Et elle, critique, charge. Ouais, c'est très bien. Let's split up. On va la mettre en hauteur, elle. Possession du boucher. Donc là on va faire 2 kills déjà et après un 3ème kill et on pourra réutiliser marionnettiste. Donc ça c'est cool. On va se mettre là. Ah, très bien. Give up now and I'll go easy on ya. Non, on est trop loin du reste. Normalement tout va bien. Voilà, très bien. Fait mal, hein. Fait mal. J'aurais dû... Ah, ça va. Say my name, Jizzwipe. It's Pharaoh. Good stuff. Et voilà. Ça, vous en pensez quoi?
C'est pas mal, hein. Hey, follow me. C'est pas mal, hein. Donc là, en habilité, il ne reste plus que lui, la marionnettiste, Maromir. Mais on s'est bien débrouillé, non? On a tué tout le monde silencieusement pour le moment, et c'est le plus que ce qu'on peut faire, si on peut pas faire plus que ça. Il n'y a pas des objets, hein? Je vais voir. Alors, on peut pas faire plus que ça, maintenant il va falloir combattre. Là, c'est pas des objets, ça? Ah. Donc, ça va être le combat. On a des grenades, pas de problème. On va faire le tour, par contre. Par contre, je sais plus trop où je m'étais placé. Je crois que je m'étais placé là. Je crois que c'est pas mal là. En hauteur, mais c'est pas complètement protégé en fait. Vous pouvez aller sur le côté et tout ça. Donc ça, c'est un peu la merde. Ouais, donc genre là en fait. Mais est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils ont la portée? Ouais, ça va. C'est ça qui est bien. C'est que nous, on leur a augmenté la portée des armes. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Et notre tank, il descend. Où est-ce qu'on va le mettre? Ça, c'est une idée. Parce qu'il y a le robot qui va arriver, hein, mais le robot on va pouvoir le bloquer. C'est pas très grave. Donc il y a tank, il y a chasseur, grande prêtresse et tank. On va faire ça. Chasseur, grande prêtresse et tank. Et après il y a les robots. Donc c'est pas grand chose non plus. Alors il y a le robot qui réanime, c'est un peu chiant par contre. Je pense qu'on va se mettre là, c'est pas mal. Ah, j'ai une couverture full en plus. Je pense qu'on est bien là. Est-ce qu'on peut toucher plusieurs cibles? Il faut tuer quelqu'un pour qu'on ait marionnettisme. Ah, c'est pas mal ça. Ah, il a arrêté les balles l'autre, putain. Quelle saloperie. Ah merde. Frickin' zero, come at me. Take the swine. Show me what you got. Pip, quick. Le robot allait s'activer de toute façon. Ah, lui, on va lui mettre des grenades. Oh shit. Everyone in the ark will die. Oh. Eh ouais, ça c'est un problème par contre. Ouf. Affirmative, care unit in burn. Injury analysis in progress. Ah. Normalement, il peut pas me tirer dessus, il y a la fumée. Wow, on a plus de vie, c'est cool. On a plus de vie et on a souffert. I am the beautiful weapon. Ah, très bien.
Nice one. Ah, on peut le bloquer. On peut l'arrêter déjà pour aller faire ça. Voilà, 3 tours. Nous, on va en profiter pour manger. En plus, lui, le robot médecin, là. Il est parti, le robot médecin. Il est allé... En fait, il va aller récupérer les cadavres qui sont super loin. En train de me dire qu'on peut tenter le tir déjà, ou alors je retourne dans la fumée. On n'est pas immunisé contre les dégâts critiques, donc si on se prend un critique, ça risque de faire très mal. Mais bon, dans un sens, je préférais faire des dégâts. Là, on a bouffé le cadavre, donc lui il va partir. Voilà. Il n'y a que lui qui arrive à tuer dessus en fait. Ça va. Il n'y a personne à. On pourrait prendre possession du tank. On va voir. Est-ce que ça marche? Non, trop loin. Ce serait bien de prendre possession du tank. Ah! Énorme. Ok, cool. C'est bon ça. Et il a quoi? Il a lent, il a ça, charge. Ok. On a le tank. Give up now and I'll go easy on ya. Ah putain, c'est chiant toi. Nous on va commencer à tirer sur lui parce que sinon il va nous faire très mal. Hurt, don't it. Et maintenant on a le tank de toute façon. Ah ouais, très bien. Voilà. Ok, très bien. On va perdre le contrôle de l'autre là. Et lui il risque de nous faire un peu mal par contre. Ok, très bien. On s'en fout. On aurait dû peut-être balancer une deuxième grenade. On peut le détruire.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Là on a du 75% même si on se lève. Faudrait détruire le robot. I'm the hero, you're the zero. Okay, très bien. Oh merde, il a pris des dégâts encore, fait chier. On risque d'avoir quelqu'un par terre. Happy. Happy. You will be happier. Let's go. Est-ce que la prêtresse est morte? Je sais pas si elle est morte. Non, pas encore. On peut le brûler. Ça fait... Même les molotovs, ils font des dégâts en plus parce qu'il a le... Le truc, je crois, c'est pas mal. On a un Overwatch qui est un peu emmerdant. You don't know who you're messing with. Personal injury detected. Care provider on approach vector. Maintenant, on peut encore manger. Je sais pas s'il y a des, il y a plus de cadavres à part le prêtre. On pourrait se mettre là, mais on risque d'être exposé en fait au tank, ce qui est un peu emmerdant. Et on risque d'en crever, honnêtement. On risque facilement d'en crever. Ah, il est où l'autre? Il est encore loin. Ah, si j'ai peur de m'avancer, en fait, de me prendre une cartouche de fusil, puis après il va nous foncer dessus et nous mettre encore un fusil dans la tête. Et ça risque de nous tuer. Ça risque facilement de nous tuer. Donc je pense qu'on va se mettre là. Et se mettre en Overwatch. Overwatch. Personal injury detected. Cap, you have been served. Please see further injuries. Overwatch. On a tué les plus dangereux, maintenant on peut camper ici en fait. On peut complètement camper. Donc c'est ça le truc sympa. Ok, on peut faire ça. Ah, merde! Ah, j'ai loupé le... Ah, j'ai loupé le clic, putain. C'est pas ça que je voulais faire. Chier, quel con. Voilà. Je voulais revenir. Ok, on est encore trop loin pour manger. Donc on va se mettre là. On est invisible. Ils savent pas où on est. Faut qu'on mange absolument. Operating. Operating. This body is repaired to serve the ancients.
commence à avoir beaucoup de monde à cause du robot, hein, mais c'est pas grave. Pas très très grave. J'aurais pas dû essayer de tirer. Voilà. Ok, il est un peu relou le robot par contre. J'ai dit à un moment que... Oh, le tank il peut me grimper, chef. J'ai dit que le robot allait mourir. Allait mourir une fois que le Mimir meurt, mais en fait non apparemment. Mais pourtant moi sur mon... La première fois que je l'ai fait, il est mort. Je sais pas pourquoi. C'est cool, encore heureux qu'on lui a mis ça, elle, cette armure. Je pense qu'on va pouvoir le tuer. Stay away from me. Frickin' Zero, come at me. Get the fat one. Ugly. Donc il est mort directement. Donc on a le marionnettisme. Oh ça. Marionnettisme qui est revenu. Pour avancer. Un peu long le combat, honnêtement c'est un peu long là, à cause du robot. C'était pas passé comme ça la dernière fois. On a les ailes, mais franchement on aurait pas dû prendre les ailes. Alpha Watch. My circuit are free. Putain, il est en train de réanimer tout. Il n'y a pas le tank, pas loin, il va le réanimer aussi. Oh la vache. Il va le réanimer aussi. Le truc c'est qu'on peut camper, on a des armes qui ont de portée et tout. Par contre, va pas... Oh merde. Oh putain, faites chier.
va devoir lui balancer une grenade pour le stopper, le truc, je pense. Je sais pas si je le touche de là. Ouais, c'est bon. Ça fait chier, mais bon. Un peu relou. Voilà. Je veux pas me retaper un tank quand même. Ah, ça suffit. I'm the hero, you're the zero. Great work. Très bien. Another one. C'est bête qu'on ait pas le l'habilité de manger parce que bon elle du coup elle va pas pouvoir soigner. Alors nous on va continuer sur le robot. Ah, parce que du coup elle va... Parce que ce qui nous reste c'est surtout des robots. Donc manger en fait va être un gros problème. De récupérer des HP par manger ça va être un très très gros problème. Seul parce qu'à chaque fois il le push, il le knock back, donc tout va bien. Non, pas ça, je... Et voilà. Destroy our home, vanish into the wind. We're safe. Our people live another day. The smoke clears, ears still ringing. On the edge of my blurred vision, something comes out of the arc. Light dancing across my arm, up my face. I look up. I'm being scanned by some giant eyeball. Then Dux and Pharaoh get scanned. Then Magnus and Selma. The light cuts out and the eyeball darts back inside the wall. We hear pistons churning, gears turning, a machine humming back to life. The gates of Eden open. Maybe Eden sees we're mutants and welcomes us home. We stand there in silence. The five of us are all mutants, found and raised by the Elder. This feels like an answer to the question that's plagued our lives. Who are we? And do we go in and find out? When Dux and me first started out, everything was cut and dried. The Elder knew best. There were no answers in the zone. Mutants didn't know who they were, where they came from, and that was fine. No one cared. But now, after the enemies we fought, after the friends we found, after all we've seen, the five of us stand here at the gates of Eden. Do we go in? Do we want to know who we are? It is done. Now, let's see what hides behind that gate. Après tout ça, on va finir le jeu. On va finir le jeu. Je vais juste récupérer ce qu'on a drop et enfin ce que les ennemis ont drop et on va y aller.
On va finir le jeu et puis bon, si vous voyez un épisode extra, je sais pas trop comment je vais découper ça encore, mais si vous voyez un épisode extra, bah, c'est que je suis retourné dans les anciennes zones pour tuer tout le monde. Genre juste pour le fun, vraiment, plus ou moins. Parce que j'aime bien le gameplay, donc autant le faire. Mais voilà. Mais sinon, ouais, on va continuer, on va finir le jeu. C'était pas trop une catastrophe, ça va. Ils se sont fait toucher, mais ça s'est bien passé. Ça... Pourquoi je les inverse? Je devrais faire là, tout pareil, la même chose, j'aime bien, moi je préfère. Non. Grenade, cocktail. Cocktail, c'est vraiment pour gagner du temps en fait. Et MP. Quoique les cocktails en fait ils vont plus vraiment être utiles. Parce que on va combattre que des robots. Je l'avais dit ça. On va combattre que des robots, donc ils vont vraiment plus être utiles, les cocktails. Et les armes qui font du feu, pareil, pas être utiles. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et là. Ah oui, on peut regarder de ce côté maintenant, parce qu'il n'y a plus personne. Ah, c'était pas excessivement difficile, juste que le robot nous a foutu un peu dans la merde. Ce qu'on aurait dû faire à la limite pour éviter de vous faire chier en gros, et que le robot reste à côté de nous, c'est on aurait dû tuer le premier groupe de mecs, changer de zone pour que les corps disparaissent, comme ça le robot médecin là il serait pas allé les ressusciter. Tout simplement on aurait pu faire ça. Mais voilà, je suis plutôt content vraiment du psy là, avec son équipement et les grenades qui font plus de dégâts, même les cocktails font plus de dégâts. Franchement c'est un de mes personnages préférés je crois, en tenue comme ça, et Faro aussi en tenue comme ça c'est pas mal, et lui aussi évidemment. Allez on y va, assez de parlotte. Vu que c'est la fin, hein, je dis les personnages que j'aime bien, quoi. I know this place. I don't know how. It just looks familiar. Ah, ça y est, j'ai débloqué tous les succès. on peut ressortir. Les succès de finir le jeu en légendaire, machin et tout ça. Iron Man aussi. That's the same star we saw on those flying machines. The machines did come from here. Hammond was right. Donc là, on est dans la base de Mimir. Alors, il y a beaucoup de questions, en fait. Il y a beaucoup de questions, donc... Ça vient d'ici, toutes les machines de Mimir. Rappel des troupes. La panique la plus totale règne au haut commandement depuis la perte de la station orbitale Z1. Nous avons reçu l'ordre de renvoyer immédiatement tous les robots et l'équipement de combat à l'unité Theta. Mes pires soupçons sont confirmés, cela ne fait désormais plus aucun doute. Nous sommes en guerre. Tout ce que j'espère, c'est que quel que soit le vainqueur, la fin sera rapide. Donc là, on avait vu déjà dans d'autres écrits qu'il y avait une station orbitale, donc c'est sûrement la même, Z1, avec des gens, avec des humains en fait, parce que la planète était plus ou moins, enfin la Terre est plus ou moins inhabitable avec les guerres, missiles nucléaires et tout ça. Mais apparemment la station orbitale en fait s'est fait détruite. On sait pas trop comment et par quoi. Enfin on sait pas trop avec qui ils sont en guerre, Mimir. Mais en tout cas les robots après viennent d'ici. Viennent de Mimir, c'est de cette station là surtout je pense, qui construit les robots. Et elle continue à les construire en fait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Après, si vous connaissez peut-être un peu plus, ou alors vous avez fait plus de recherches. Moi, j'ai pas fait des recherches personnellement. Je me suis juste fié au jeu. Je sais pas contre qui ils sont en guerre, en fait. C'est ça. I knew this med pack was gonna be here. How do I know this?
Projet annulé, l'ordre d'évacuation a été donné, ainsi que l'instruction de détruire la totalité des recherches, y compris les sujets biologiques en bonne santé. Cela perturbe grandement la plupart d'entre nous, pas seulement pour des raisons éthiques, mais aussi car c'est un choc de devoir ainsi tirer un trait sur tout ce que nous avons accompli. De nous tous, Ingmar, très important, semble plus affecté et s'est enfermé dans la salle d'incubation avec les sujets et refusé d'ouvrir la porte. Aussi, Mimir faisait des expériences donc, sur les humains et ont fait des mutants, ont créé des mutants. Il n'y a pas des objets récupérés dedans. Et je pense qu'il y avait plusieurs plans en fait. Il y avait la station orbitale pour sauver les humains. Il y avait créer des mutants pour qui résistent à la... pas la pollution, mais tout ce qui est radiation et la maladie là qu'ils ont là, qui a été développée aussi. Donc, je crois qu'on a des mutations. Désolé, je fais ça vite fait. Ok, c'est bon. Il n'y a que lui. More guarding machines, all of them broken, but quiet. Are they asleep? Ouais, il y a énormément de robots encore. Donc je suis pas sûr s'il y a des robots en réserve ou alors si la station continue. I don't know why the Elder kept us away from this place, okay. But I think we're about to find out. I don't believe it. I can't believe it. Échec des pourparlers de paix. L'heure est grave, nous avons entendu des rumeurs comme quoi le pourparler de paix aurait définitivement échoué. Et comme pour mieux le confirmer, le haut commandement nous a ordonné de considérer qu'Elysium était désormais hostile et de faire sortir tous ses diplomates et chercheurs du complexe par la force nécessaire. Ah voilà, c'est ça le nom que j'étais plus sûr. C'est un bien triste jour pour nous tous. Donc Elysium. Elysium serait... Elysium par exemple, l'arme vient d'Elysium. Et serait peut-être, vu que ça crée des armes super avancées, plasma et tout ça. Et après il y a Mimir qui fait aussi des très bonnes armes et les robots et tout ça. Peut-être que ce sont genre deux, je sais pas, genre deux corporations, deux grandes, je sais pas, deux grandes compagnies, on va appeler ça comme ça, qui ont commencé à se faire la guerre. A tree and grass. Just like outside. Je dirais. Deux grandes compagnies qui ont commencé à se faire la guerre. Et c'est comme ça que ça s'est fini, je pense, peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire corporation. J'avais envie de dire un mot anglais. Voilà. Je passe pour un con. ah, c'est par là. Enfin... C'est pas exactement par là. This place is messing with my head. This can't be a picture of me, right? Et donc voilà. Après, pour savoir qui sont les gentils dans dans cette histoire, on sait pas. Mimir, Elysium. Je sais pas du tout. Je crois pas vraiment qu'il y ait de gentil en fait. All this time we're talking about skeletons that don't look like us. This one kinda does. There might have been mutants in Eden. Ça aussi c'est un truc, on dirait le boss, le démon. Capra là de Dark Souls. Aussi c'est une chose qui était un peu spéciale, c'est que les mutants, il y en a pas tant que ça. Il y en a peu des mutants. Genre là il y en a 5 et je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns de plus à l'arc. Mais c'est tout.
Et en dehors de ça, on ne les trouve pas. On n'en trouve aucun des mutants. C'est pour ça qu'à un moment, Dux, il disait, ça fait depuis qu'on est parti que j'essaye de voir s'il n'y a pas des cadavres de canards. Mais au final, il n'y en a pas. Donc, ils comprennent pas trop pourquoi non plus. Rapport de densité corporelle. Ah oui, ça, c'est pas vraiment intéressant. Là, ils expliquent, genre, le corps, comment il est, le corps muté, comment il fonctionne. Comparaison de la masse squelette par analyse corrosive entre la masse de la squelette de l'oiseau est si proche de celle du squelette du rongeur qu'il est impossible de le différencier. Enfin bref, ça c'est juste des données quoi. Donc voilà, donc là on a l'explication de pourquoi ils trouvent pas de mutants en fait, en dehors de eux-mêmes et de l'arche. Parce qu'ils viennent que d'un seul endroit, les mutants ils sont pas naturels, ils sont pas été créés par les radiations, c'est pas Fallout quoi, c'est pas des super mutants, des trucs comme ça quoi. Analyse d'ADN. Donc ils viennent de là, ils viennent de Mimir en fait, ils viennent d'ici. Les mutants. Et il y en a très peu aussi. Je crois que c'est la dernière salle, ouais, c'est celle-là. Et là ça va être la fin du jeu. Sorte d'incubateur. Look, the screen with the lights. If we want answers, that's a good place to start. C'est parti. We huddle around the screen. The words Mutant Project Blink. On and off in big red letters. The screen turns black, then explodes with a flurry of flashing images, faster than we can take in. I catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image, an employee profile. A scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA. Made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Come on, Center Sweden. Et voilà. Vraiment cool ce jeu, vraiment 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 bien fait. Ah, j'ai beaucoup aimé moi l'histoire et les personnages et tout ça. Les voix elles sont top. Ah, donc voilà, en gros l'histoire, il y aurait peut-être encore des survivants. Donc dans une autre base ou alors peut-être une autre station, enfin des trucs comme ça, on sait pas trop encore. Et bon, à part qu'il y a un DLC pour ça, bon ça m'étonnerait. Ou alors un 2, ça peut-être, je dirais oui. Un deuxième mutant, on ne saura pas vraiment. Mais voilà. Après, bon, le coup de l'aîné là, qui était à l'arche, c'était prévisible. Hein, le mec, il nous disait de jamais aller à Eden et tout ça. C'était prévisible que ça soit lui qui fasse partie du projet. Apparemment, il n'était pas,
il est pas super méchant non plus, parce que c'est lui qui a pas voulu en fait tuer les sujets quand ils lui ont donné l'ordre en fait. Ils avaient donné l'ordre de tout détruire, tout ça, même les tests sujets, et même s'ils étaient en bonne santé, de les tuer. Lui il a pas voulu, il les a sauvés, mais bon, il reste quand même partie, il fait quand même partie du projet en créant des mutants. Alors pourquoi ils ont été créés, franchement je sais pas, je comprends pas trop pourquoi ils ont créé des mutants alors qu'ils se faisaient chier aussi à sauver des gens en fait dans des stations orbitales et tout ça. Je pense qu'il y avait une sorte de deux projets, donc récupérer des gens, des humains, et les mettre en orbite. Genre les meilleurs des meilleurs, vous voyez, des scientifiques, des trucs comme ça. Et après, il y avait un deuxième plan, c'était de créer des mutants pour qu'ils arrivent à vivre sur la planète qui est plein de radiation, qui est plein de... qui est complètement pourrie, quoi, en gros. Je pense que c'était ça, les deux buts de Mimir. Et ils étaient en guerre, donc, contre Elysium, je pense. Je vois que ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'en tire de l'histoire. C'est ce que j'en tire de l'histoire. Donc, voilà. Donc là, on a surtout combattu Mimir dans un sens. Et pas vraiment Elysium, je crois. Tous les robots venaient de Mimir. La plupart des armes aussi. Enfin, voilà. Et puis vous avez vu que aussi pendant tout le long du jeu, on a vu, je crois, deux fois. On a vu que, par contre, là, je crois que là... Ouais, la musique s'arrête. Pendant deux fois, on a vu des vaisseaux, en fait, qui volaient. Donc il y a quand même encore des choses qui volent, quoi. Plus grosses que des robots qu'on a trouvés et qu'on a combattus. Hein. Donc il y a encore des choses qui se baladent sur la planète. Il y a encore des choses. Donc voilà. En tout cas, ouais. C'était Mutant Year Zero Road to Eden. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, moi, l'histoire et les personnages et tout ça. Je trouve vraiment cool, vraiment intéressant. J'espère vraiment qu'ils feront un 2. Donc, voilà. Si vous avez plus d'informations ou que vous voulez partager ce que vous pensez, allez-y dans les commentaires, évidemment. Dites un peu par rapport à l'histoire. C'est marrant que ça soit la fin du jeu en fait. On ne sait pas au début, on comprend pas trop. En fait, c'est la fin. C'est assez marrant. Mais voilà. Au début, j'aimais pas trop les personnages. Là, pour toute première fois que j'ai joué, genre avec un canard et un. Enfin, lui encore, ça va. Ça fait un peu Rocksteady de Tortue Ninja. Mais avec un canard et tout, j'aimais pas. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'histoire, que j'ai appris que chaque personnage a ses habilités et tout ça, j'ai vraiment commencé à beaucoup aimer chaque personnage en fait. Ah, il était vraiment cool. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Si jamais je fais une autre vidéo, ce sera pour dératiser les robots et tout ça, et récupérer le dernier artefact, mais je vous ai expliqué où il était l'artefact, donc allez le chercher si vous voulez, bonne chance. Faut tuer les robots avant. Mais ouais, peut-être que je ferai, on va voir. On verra. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, salut, ciao.